Monsieur le Président du Conseil économique et social, représenté ici par Dr Diomandé Idrissa, Madame la Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentée par le professeur Malan, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentée par le professeur Bomba, merci. Alors, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, représenté par M. Galati Florent, directeur de la Francophonie et de la Coopération culturelle. Alors, merci, soyez les bienvenus. Alors, ce jour, mercredi 10 janvier, nous sommes réunis ici en la salle de conférence de l'Institut Pasteur, dirigé par le professeur Dosso, ce qui nous reviendront bien sûr. Alors, nous sommes là ce jour pour le lancement du Sidiotech. Voilà. Entendez par là, colloque international de la biotechnologie. Alors, ce lancement vise à mobiliser l'ensemble de la presse nationale et internationale, l'opinion nationale, les bailleurs, toutes les institutions en vue d'assurer le relais de l'opinion des biologistes pour faire connaître leur activité et leur permettre d'avoir une amélioration des conditions de travail au sein de la corporation. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner le déroulement du programme de ce jour. Nous allons avoir trois allocutions. Le mot de bienvenue, en tout cas de la présidente du comité scientifique, le professeur Dosso, l'allocution du ministre de la Culture et de la Francophonie, l'allocution du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et bien sûr, l'allocution de notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Après quoi, nous allons avoir la présentation du promoteur, celui-même qui organise cette cérémonie. Alors, sans plus tarder, nous allons ici démarrer par notre première allocution. Le professeur Dosso, professeur titulaire, dit là, juste fait un petit parcours, un bref parcours du professeur Dosso, c'est aussi important. Professeur titulaire de microbiologie, en 94 au CAMES, aujourd'hui directrice de l'Institut Pasteur et de Côte d'Ivoire depuis 2014. Elle a été aussi distinguée, il faut le signifier. Commandeur de l'ordre croissant vers des Comores 2007, prix Kwame Nkrumah Régional Scientifique Award 2011, prix de la recherche du président de la République de Côte d'Ivoire, chevalier de la Légion d'honneur en France en 2014. Alors, à présent, encore merci pour vos ovations, mais vous allez continuer de l'ovationner. On va accueillir ici le professeur Dosso pour son allocution. Monsieur le Diomandé, représentant, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur Galati, représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, monsieur le professeur Bamba, directeur de la recherche, représentant madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ministre de tutelle de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, monsieur le professeur Balanka, cher ami, représentant madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, madame la présidente de l'UNATEPSI, docteur Djambo, docteur Penali, mesdames et messieurs les participants à cette cérémonie de lancement, mesdames et messieurs, en grand cas des qualités, mesdames et messieurs, chers invités. C'est un honneur pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'héberger ce matin
la cérémonie de lancement du deuxième Cibiothèque. Effectivement, c'est un défi que la Corporation des biotechnologistes, auquel s'associe bien volontiers les biologistes de Côte d'Ivoire, donc de relever ce défi de la biotechnologie en organisant ce deuxième colloque international scientifique. Colloque qui est placé tout particulièrement sous le concept One Health, une seule santé, qui est un concept auquel la Côte d'Ivoire a donc adhéré et que nous nous devons tous donc mettre en œuvre. Merci à tous les représentants des différents ministres d'avoir fait le déplacement. Monsieur le docteur Diomandé, merci aussi d'avoir honoré de votre présence la cérémonie de ce matin. Je vous demande de bien vouloir transmettre nos très sincères remerciements et notre considération à vos différents présidents et ministres pour vous avoir autorisé à participer à cette cérémonie de lancement. Je pense que ce deuxième congrès scientifique et international organisé par le Cibiothèque est vraiment une marque de volonté de la part de cette corporation de participer au développement, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Et je voudrais donc les encourager. Ce n'est pas facile, mais cette année, vraiment, ils ont fait un effort vraiment colossal. La présence des différents représentants des ministères est la preuve, justement, de leur dynamisme, et je voudrais les féliciter. Je voudrais leur dire qu'ils ont fait un grand pas, mais qu'il y a encore d'autres grands pas à faire. Donc nous, les biologistes, puisque je suis un biologiste, nous sommes à vos côtés hein, pour vous accompagner. Effectivement, il est important que ce genre de manifestation ait lieu pour pouvoir informer non seulement la communauté des professionnels de la santé, des professionnels de la recherche, mais également les dirigeants, n'est-ce pas, de ce pays, toute spécialité, toute orientation confondue, et surtout d'informer les populations des capacités et des recherches qui se font dans ce pays pour les populations, pour elles. Donc ce colloque est une manifestation et je les encourage à persévérer donc, dans ce dynamisme-là. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir fait le déplacement ce matin, d'avoir laissé les différentes charges et de participer à cette cérémonie de lancement. Je souhaite bon courage à l'association des techniciens de laboratoire et à l'ensemble des techniciens de laboratoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais également des pays de la CEDEAO et également de l'Afrique centrale, parce que je sais qu'ils sont un nombre très important d'associations. En tout cas, félicitations, bon courage et merci à tous. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la francophonie, faire un meilleur compliment à Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et dire notre fierté, nous, ministère de la Culture et de la francophonie, d'avoir été associés à cette cérémonie de lancement du deuxième colloque international de biotechnologie. Professeur Maran, vous voudrez bien transmettre à Madame la ministre de la Santé les meilleures amitiés et la fraternité de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie. Mesdames et Messieurs, je puis d'emblée vous rassurer, le soutien institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie dans la mise en œuvre des résultats scientifiques dont la portée n'a d'autre but que d'assurer le bien-être et la bonne santé de tous nos concitoyens. Mesdames et Messieurs,
L'anthropologie de la santé appliquée à notre culture implique la connaissance et l'incubation de nos us et coutumes. Si bien sûr l'on choisit d'adosser la passion de la recherche scientifique à la compétence et à l'excellence mise au service de l'homme. La culture est donc prépondérante dans la conception et la gestion de tout travail scientifique exercé sur l'homme. C'est la culture qui nous élève et nous offre par la même occasion un visage humain, social et sociable appliqué à la déontologie du métier que vous avez choisi. Mesdames et messieurs, tout en renouvelant les meilleurs compliments du ministre de la Culture et de la Francophonie à Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je voudrais émettre le vœu de voir réussir les travaux du deuxième colloque international de biotechnologie pour lequel la communauté scientifique se mobilise depuis plusieurs jours. Vive la recherche scientifique adossée à la culture, à notre patrimoine culturel, pour le bien de tous et de toutes. Je vous remercie. Nous allons passer à notre troisième allocution, en tout cas celle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà, c'est un ministère qui est à la fois formateur et utilisateur des diverses spécialités de la biologie. Ainsi, à l'université Félix-Sylvain-Boigny, on trouve plusieurs UFR formant des biologistes de haut niveau. Et aussi, ça se justifie que, en tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a bien voulu contribuer à porter sa touche, en tout cas à cette grande série. Et nous allons ici appeler le professeur Bamba, que je vous demande d'ovation de très fort. Professeur Malan, représentant Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur Galati, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, Professeur Denso Mireille, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. On est dit que ça. Mesdames et messieurs, les responsables des laboratoires, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs et chercheurs, comme on le dit, chers amis de la presse, chers étudiants, dès l'entame de mon discours, permettez-moi de vous exprimer en ce début d'année 2018. Au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et à mon nom personnel, les vœux les meilleurs de santé, longévité, réussite pour vous et pour votre famille. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique aurait bien voulu venir participer en personne à cette cérémonie de lancement du deuxième colloque international de biotechnologie, Cibiotech, dont le thème est santé, développement, quelles implications pour la biologie technique dans le contexte One Health. Mais des contraintes indépendantes de sa volonté ne lui ont pas permis d'être de nôtre ce matin. Elle vous présente ses sincères excuses. Vu l'intérêt que revêt la thématique de ce colloque pour son département ministériel, elle m'a instruit pour venir la représenter et dire son mot. En effet, le thème de ce colloque est d'actualité, car ce colloque s'intéresse aux interrelations entre le développement, la santé, la biotechnologie. En effet, le développement d'un pays implique, entre autres, l'amélioration de la santé de sa population et aussi la pérennisation de cette bonne santé. Cette amélioration et cette pérennisation reposent sur la qualité de la prise en charge des maladies, c'est-à-dire leur diagnostic et leur traitement. À ce niveau, l'apport de la biotechnologie
est prépondérante. En effet, pour un service de santé, la présence d'un laboratoire permet non seulement d'affiner et de réduire le délai de diagnostic et de prise en charge thérapeutique, mais également de suivre l'efficacité et l'innocuité des traitements. Dans l'industrie, la biologie est appliquée afin de créer, contrôler et améliorer la qualité des produits de consommation ou de soins, tandis que la recherche permet de prédire, d'inventer, de prévenir et d'orienter décideurs et pouvoirs politiques. À ce niveau, nous ne pouvons plus douter de la prépondérance de la qualité de la biotechnologie dans l'amélioration de la santé de nos populations. Amélioration de la santé et de la population, et surtout de sa population active, sur laquelle repose le développement d'un pays. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays de la sous-région, si nous parlons d'émergence, c'est qu'il y a insuffisance. Et il y a aussi insuffisance au niveau du niveau de la qualité de santé de notre population. Aussi, nous ne pouvons que saluer, au nom de Madame le ministre, ce colloque dont l'objectif est bien décliné ici, au plan spécifique, échanger sur les importantes activités de la biologie en rapport avec la santé et le développement, établir des plateformes d'échange entre les professionnels, renforcer les capacités des professionnels sur les bonnes pratiques, contribuer à la prise de décisions des pouvoirs politiques. D'autant plus qu'il, nous le voyons, constitue une plateforme d'échange et de mutualisation des résultats de la biotechnologie des spécialistes, non seulement de Côte d'Ivoire, mais de la sous-région, voire même du Nord. Mais aussi une plateforme de promotion de la biotechnologie dans nos pays, où ce rôle-là n'est pas souvent bien vu, bien compris, et ce qui porte un peu atteinte à l'amélioration de ce secteur et de notre système de santé. Cette initiative, c'est-à-dire l'organisation de ce colloque, est vivement saluée et encouragée par Madame le ministre. Et Madame le ministre me charge aussi de témoigner toute sa reconnaissance au docteur Billet et à ses collaborateurs pour avoir initié ce colloque. Pour la parfaite organisation de ce colloque, elle n'oublie pas, évidemment, de dire un grand merci et de dire toute sa reconnaissance au professeur Dosso Mireille, qu'il faut saluer. Aujourd'hui, nous parlons de biotechnologie, mais le professeur, je suis peut-être à la dixième cérémonie de lancement de cours internationaux sur, aujourd'hui c'est la biotechnologie, il y a eu la génomique et j'en passe, le professeur Dosso Mireille est une cheville ouvrière du développement de notre système de santé. Et de la recherche en termes de santé et de technologie. Tout un pan de nos programmes nationaux de recherche repose sur les épaules du professeur de Sommuret. Je voudrais que vous le passionnez. Aussi, cette initiative est vivement saluée et encouragée par Madame le ministre. Elle salue aussi tous les experts et les spécialistes qui ont fait le déplacement pour venir enrichir les échanges qui auront lieu tout au long de ce colloque. Elle me charge aussi de saluer toute la communauté scientifique qui a fait le déplacement pour venir participer à ce colloque. La réussite de ce colloque repose aussi sur l'apport des partenaires techniques et financiers auxquels Madame le ministre dit toute sa gratitude et son merci. Aussi, Madame le ministre vous encourage lors de ce colloque à d'échanges fructueux qui profiteront à son département et plus précisément à la santé, et que ces échanges viennent soutenir tous les efforts qui sont faits au niveau de ce département
pour la recherche en matière de santé. Nous ne terminons pas nos propos sans citer l'ouverture prochaine de la biobanque. Nous citerons également l'acquisition par le professeur, je ne vais pas citer ses œuvres, mais il faut citer la biobanque. Quand vous visitez la biobanque et que vous voyez le montant des cuves qui sont là, vous ne pouvez que saluer le professeur de Saumireille pour son esprit de management et pour son travail remarquable. Nous allons acquérir très bientôt un laboratoire P3-P4. Et quand nous pensons à l'épidémie Ebola et aux difficultés du diagnostic, nous saluons encore le professeur de Saumireille pour cette œuvre immense. Donc, vos échanges vont enrichir non seulement l'IPSI, non seulement la biotechnologie, mais le département de la recherche au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est sur des mots d'encouragement, d'échanges futurs, que je vais terminer mes propos et vous souhaiter donc des échanges futurs enrichissants tout au long de ce colloque. Je vous remercie. Pour la prochaine allocution, j'ai bien envie de ne même pas annoncer. C'est la maison. C'est le ministère de tutelle. Est-ce que j'aurai le mot juste pour... Alors, le ministère de tutelle qui emploie la majorité des biologistes, qui fait la promotion de la biologie. Et ce qu'il faudrait souligner, c'est que depuis la création de l'UNATEPSI, oui, l'Union nationale des techniciens biologistes de Côte d'Ivoire, en tout cas, le ministère a toujours soutenu cette union pour la promotion de cette corporation. Et ce qui dénote la présence du professeur Malan, en tout cas pour le mot de Madame la ministre, à ce juste titre, je vais demander de l'ovationner. Et on va ici accueillir sur le public le professeur Malan, représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Alors, monsieur Dumandé, représentant le président du Conseil économique et social, monsieur le professeur Bamba, représentant madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, monsieur Dalati, représentant monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, madame la directrice de l'Institut Pasteur, chercheur, on se connaît depuis 1974. À Dijon. Vous voyez, c'est ma grande sœur. Madame Diambo, chef sœur. Et puis, monsieur Louis Pasteur, chef frère. Il s'appelle LP, donc Louis Pasteur, LP aussi. Madame Lillet, présidente de l'UNATEPSI. Mesdames et messieurs les représentants des laboratoires, firmes engagées dans les laboratoires et dans la recherche en général, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, mesdames et messieurs les biotechnologistes, honorables invités, en beau grade, titre, qualité et distinction, mesdames et messieurs, chers étudiants. Honneur me revient de prendre la parole en ce jour, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du colloque international de biotechnologie, Cibiotech 2018. Mais avant tout propos, qu'il me soit permis d'adresser au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, empêchée bien sûr par le Conseil du gouvernement, de vous adresser mes distinguées salutations et mes meilleurs voeux aux différentes personnalités ici présentes. Mesdames et messieurs, la politique du gouvernement ivoirien en matière de santé a été définie dans le PNDS 2016-2020. Et cette politique vise à l'amélioration et au bien-être des populations à travers la construction d'un système de santé performant, intégré, responsable et efficient, garantissant à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, et en particulier les personnes les plus vulnérables,
un état de santé optimal à même de soutenir la croissance et le développement durable du pays pour évoluer vers l'atteinte de l'émergence en 2020. Et le thème de votre colloque, santé et développement, quelle implication de la biologie technique dans le contexte One Health est très pertinent. En ce sens, il engage tous les secteurs autour d'une perception unique de la santé pour une offre de soins optimale. Dans un tel contexte, l'importance de la biologie, voire des laboratoires d'analyse médicale, est plus à démontrer. En effet, le laboratoire est un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la politique sanitaire de la Côte d'Ivoire par sa contribution au diagnostic et aujourd'hui au traitement de certaines pathologies données et aussi à la recherche opérationnelle. C'est pourquoi Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique salue personnellement la tenue de cette rencontre d'échange scientifique et engage son département à ministériel à soutenir cette initiative qui va regrouper les biologistes, les biotechnologiques d'Afrique dans notre pays du 13 au 16 mars, au 16 mars 2018. En effet, le thème des journées, à savoir santé, développement, quelle implication pour la biotechnologie technique dans le contexte One Health est mobilisateur et l'exploitation des recommandations attendues de cette journée doit traduire votre engagement en faveur de votre contribution aux performances du système ivoirien quelquefois décrié. La commémoration donc de ces journées qui vont donc se tenir au mois de mars ne doit pas être seulement une occasion de fête, mais une opportunité pour faire le bilan de votre implication dans le processus de prise en charge des malades dans un objectif noble d'amélioration de leur santé, ainsi que l'implémentation, et ça j'insiste, l'implémentation de la démarche qualité dans les laboratoires de biologie. C'est l'occasion pour nous donc, les acteurs, de se poser des questions sur notre comportement dans l'exercice des actes selon l'éthique et la confidentialité. Il s'agit au final de prendre des résolutions dans la perspective en vue de l'amélioration de la qualité des prestations exécutives. Aussi, Madame la ministre vous invite les différents partenaires qui sont représentés ici à soutenir la tenue de cette rencontre qui honore une fois encore notre pays. Mesdames et messieurs, les défis restent nombreux dans un contexte épidémiologique caractérisé par les maladies transmissibles, métaboliques, cardiovasculaires, avec un système de santé marqué parfois par les conséquences de 10 années de crise militaro-politique. Le professeur Bamba a évoqué des acquisitions qui sont en faveur d'une meilleure amélioration des performances de notre système. Il faut savoir donc exploiter ces acquis. Avec les efforts du gouvernement, les choses sont en train de changer et nous sollicitons l'appui des organisations professionnelles comme la vôtre pour nous accompagner dans la politique de couverture maladie universelle où chaque acteur devra contribuer à sa mise en œuvre efficace pour le bien-être de l'amélioration de la santé des populations. Alors avant de conclure, et compte tenu de votre choix qui vise à une santé One Health, c'est-à-dire une santé unique, je voudrais revenir un peu sur un slogan que nous avons au sein du ministère et je voudrais donc vous inviter à vous approprier ce concept qui est promu par notre ministère, Ma santé, ma vie. Ma santé, ma vie
c'est la prévention des maladies à travers des gestes simples pour une vie saine. Et donc, le professeur Dosso nous a montré tout à l'heure dans son bureau des tas d'ordures à proximité de notre CHU, qui n'est pas du tout à l'honneur de cette grande institution. Ma santé, ma vie, c'est aussi le traitement ou la prise en charge des malades, d'où nos attentes sur la qualité des analyses et de vos prestations. Enfin, ma santé et ma vie, c'est aussi le slogan « La santé est aussi mon affaire », qui est une invitation aux individus de prendre en main leur santé, à la communauté, aux organisations, au secteur privé, de s'investir pleinement dans la redynamisation, de notre système de santé, c'est-à-dire une mobilisation citoyenne et communautaire. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais terminer mon propos sur l'espoir qu'ensemble, dans l'action, nous atteindrions l'émergence. Et c'est sur ce mot que je voudrais déclarer l'ouverture ou le lancement de la deuxième édition de Cibiotech. Je vous remercie. Merci. Alors, l'UNATEPSI, nous entendons l'UNATEPSI, Union nationale des techniciens biologistes. Mais de qui est composée l'UNATEPSI? Qu'est-ce que fait l'UNATEPSI? Alors, on me fait entendre que depuis septembre 2016, Madame Villet-Josiane est à la tête de cette association. On va demander encore à ce public, à ce charmant, à ses invités, à ses honorables personnalités, ensemble, que nous puissions accueillir la présidente de l'UNATEPSI, Villet-Josiane, pour venir nous parler de son produit. Je suis Madame Villet-Josiane, technicienne de laboratoire, issue de la promotion 93-95 de l'INFAS, l'Institut National de Formation des Agents de Santé. De 97 à 2010, j'ai exercé à l'Institut de cardiologie d'Avignon et depuis 2010, je suis en fonction au service médical des fonctionnaires partout. Alors, depuis 2016, j'ai été élue à la présidence de l'UNATEPSI et c'est à ce titre que j'ai l'honneur de vous présenter l'UNATEPSI et de vous parler de l'événement qui nous réunit ce matin, le Cibiotech. Donc nous sommes à la cérémonie de lancement officiel. Voilà. Alors, je vous ai proposé comme plan après l'introduction une présentation de l'UNATEPSI et du Cibiotech et terminée par une conclusion. Alors, à l'issue des 10e rencontres africaines de biologie technique tenue à Brazzaville, du 13 au 17 mai 2013, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter la 11e édition des dites rencontres. N'ayant pu faire face à cette situation, l'UNATEPSI a initié le Cibiotech, colloque international de biotechnologie, dont la deuxième édition aura lieu du 13 au 16 mars 2018 à l'Université Félix-Fébron d'Avignon. Il faut noter que le Cibiotech est une vitrine d'expression de compétences techniques et technologique en matière de laboratoire de biologie médicale. Alors, je vais passer maintenant à la présentation de l'UNATEPSI. Un bref diapo, un bref historique. Elle a été créée en le 13 février 1999 à l'UFR des sciences médicales de Bobo-Dioulasso suite aux premières rencontres africaines de biologie technique organisées du 8 au 12 février 1999 à Abidjan. L'UNATEPSI est une association professionnelle à but non lucratif, apolitique, non professionnelle et non syndicale. Elle est également dotée de statut règlement intérieur et déclarée au ministère de l'Intérieur. Le but de l'UNATEPSI est de promouvoir la biologie technique en Côte d'Ivoire par plusieurs méthodes, par le développement d'une collaboration technique et scientifique, par la formation, par les échanges et l'actualisation des connaissances. Quels sont les objectifs donc de l'UNATEPSI? Premièrement, il faut établir des liens entre les technologistes travaillant dans les domaines médicaux, de la recherche ou de la biologie appliquée à l'industrie. Ensuite, valoriser la spécificité de la profession et améliorer son image. Mettre à la disposition de ses membres des documentations techniques et scientifiques. Soutenir la formation, le recyclage et le perfectionnement des membres.
représenter les membres auprès des organismes officiels nationaux et internationaux. Quels sont les organes de l'UNATEPSI? L'UNATEPSI est dotée de 3 organes, l'Assemblée générale, le bureau exécutif et le comité scientifique dirigé par Mme Dussault, directrice de l'Institut Pasteur, et enfin le commissariat aux comptes. Quelles ont été nos réalisations majeures? Les principales activités de 1999 à 2017. On a organisé les premières rencontres africaines de biologie technique en février 1999. Ensuite, on a organisé 3 éditions de journée nationale de biologie technique en 2001, 2003 et 2007. Un séminaire sur la qualité et la biosécurité financé par le FDFP en 2003. Un atelier sur la recherche et la communication scientifique en 2008, financé par Biomilieu. Un atelier sur le CBU Rapid avec le soutien de Biomédis. Il y a eu la participation régulière des politiciens aux rencontres africaines de biologie technique de 1999 à 2017. La formation en Belgique de 2 membres financés par la CITEP en 2007, la formation de 6 membres au Cameroun financés par l'Union européenne en 2005, 2006 et 2007, et enfin la participation à l'élaboration du plan stratégique national de laboratoire sur la période 2017-2020 organisée par ITEC. C'est un projet en cours. Quelles sont les perspectives pour 2018? L'activité prévue, on a donc l'organisation du CIBIOTECH en mars, du 13 au 16 mars 2018. On a également des projets de renforcement des capacités des biotechnologistes sur l'éthique et la déontologie, la formation des biotechnologistes sur les notions de management de projet et management de laboratoire d'analyse médicale, la formation des biotechnologistes sur la norme ISO 1589, qui est un processus de pilotage technique et de support. On a également l'initiation à la biologie moléculaire, la production d'un bulletin national d'information en biotechnologie et l'institution d'un prix annuel du meilleur biotechnologiste. À présent, je vais vous présenter le CIBIOTECH. L'objectif général du colloque est de promouvoir la biologie à travers ses implications sur la santé et le développement. Les objectifs spécifiques: on doit échanger sur l'importance de la biologie en rapport avec la santé et le développement, établir des plateformes d'échange entre les professionnels des divers domaines de la biologie, renforcer les capacités des professionnels sur les bonnes pratiques de laboratoire en vue de fournir des résultats exacts, fiables, économiquement et socialement profitables, contribuer à la prise de décision des pouvoirs publics sur la mise en place et l'amélioration des plateaux techniques en matière de biologie pour le développement. Quels sont les résultats attendus? L'importance de la biologie en rapport avec la santé et le développement est effective. Des plateformes d'échange transdisciplinaires sont établies. Les capacités des professionnels de la biotechnologie sont renforcées sur les bonnes pratiques de diagnostic, d'évaluation et ou de production. Les directives sont produites et mises à disposition des usagers et décideurs. Quel est le programme du CIBIOTECH? On aura des conférences, des tables rondes, de cours de communication orale et affichée, des posters, des expositions de matériel de laboratoire, des ateliers professionnels techniques, des visites de laboratoire et circuits touristiques et l'organisation de galas. Quelles sont les personnes attendues au CIBIOTECH? Environ 500 participants, qui seront des professionnels, des chercheurs, des enseignants, des décideurs, des partenaires techniques et financiers et des étudiants. En conclusion, qu'est-ce que nous voulons à travers cette cérémonie de lancement? Premièrement, partager l'information sur l'organisation du CIBIOTECH 2018, offrir une plateforme commerciale aux fournisseurs et partenaires que vous êtes, et enfin solliciter votre appui technique, financier et matériel pour l'organisation de ce colloque et aussi pour la mise en œuvre de notre plan d'action 2018. Je vous remercie.
Vous pouvez arranger après. Voilà. Si vous voulez que on soit beau là, ça va être difficile. Non, attendez, moi je vais pas tirer.